Et j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes dans la forme, j'espère surtout que vous êtes prêts pour cette petite vidéo détente sur Overwatch que je tourne également à la suite des précédentes où Doomfist vient tout juste de sortir dans la version officielle du jeu et regardez ce que j'ai trouvé ici. 6v6 élimination Doomfist. Donc je me dis, c'est peut-être la meilleure façon de le tester. Bon certes, au moment où vous allez avoir cette vidéo, parce que comme je vous rappelle, je suis en préparation des vidéos de vacances, donc je tourne d'avance, contrairement à d'habitude, ça va faire 3 semaines, 1 mois que Doomfist va être sorti, donc ce sera plus rien d'extraordinaire, mais pour moi, c'est vraiment une première. D'accord? Donc, soyez indulgents, vous avez cette vidéo vraiment plus tard de ce qu'elle a été tournée, parce que sinon, vous n'auriez pas eu de vidéo des vacances. Voilà, donc dites-vous ça. Oh, c'est pas grave, Simi, c'est en retard. Sinon, pas de vidéo. Voilà, et là, vous auriez été beaucoup plus triste. Donc, il faut faire des sacrifices dans la vie. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà, vous avez tout bien compris. Je suis fière de vous. Mais il n'y a personne qui joue en 6v6 Doomfist. Ça a l'air cool le 6v6. En fait, on va tous être des Doomfist contre des Doomfist. Je sens que ça va être la merde quand même. La merde totale. La merde folle. Mais on verra bien. Accès en cours à l'écolab. Ok. Donc... Ah! Je suis Doomfist! Ce n'est que par le... Normal, Miss, t'es dans un... T'es dans un truc où tout le monde est des Doomfist. C'est normal que tu sois Doomfist. À quoi tu t'attendais, débilos de Doomfist? Ok, et c'est des illuminations parce que quand on meurt, on meurt. Mais qu'est-ce qu'ils font à sauter partout? Waouh! Ouh, j'ai tué quelqu'un! Oh mon dieu! Oh mon dieu! J'appuie sur tous les boutons, je comprends pas ce qui se passe. Oh mon dieu, mais c'était quoi ça? C'était trop chelou. Merde, mon pote est mort. Oula, ok. Là j'ai pris cher. Bon, je pense que la première ronde on a eu le droit à ce qu'on appelle la chance du débutant. Hein. C'était ma première fois sur Doomfist, j'ai fait 3 kills, mais là c'est fini. Hein. C'est mort. Ne vous inquiétez pas, c'est pas un talent caché que je viens de me découvrir. C'est vraiment juste un coup de chance et là c'est fini. C'est complètement over. Mais j'ai trouvé ça très drôle. Ce n'est que par le conflit que l'homme évolue. Oh là là. Ok, donc ça c'est le coup de poing, ça c'est le saut et ça c'est le E. C'est le E que j'ai pas trop compris qu'est-ce qu'il fait. Ok, ça saute comme ça. Ok. Non, toi mange! Mange! Ah, j'ai touché quelqu'un! Ah, on s'est étourdi! Waouh! Merde, je l'ai pas chargé assez. Ouais, je suis pas morte! Je suis la dernière en vie! Ok! J'étais la dernière en vie, c'était cool. C'était grave cool. Écoutez, je suis encore en mode je fais n'importe quoi, mais on va finir par arriver à quelque chose. Ok. On va finir par comprendre à peu près comment il marche là. En fait, c'est peut-être ça le problème. Si je comprends comment il marche, après je vais trop réfléchir en le jouant. Au lieu de faire n'importe quoi comme le premier round et que ça fonctionne. C'était cool le premier round. Oh oui, dans ta gueule, salaud! Prends ça! Bah, moi je suis intense, hein. Je suis intense, surtout en Doomfist. Voilà.
Allez, allez, tuez-le. Oui. Oui, je mets le tag Overwatch parce que j'ai pas de tag avec lui. Ouh, je suis à 5 kills. On en a fait 200 rounds, c'est bien. Par le conflit que l'homme évolue. Non, je voulais pas faire un cas. C'est pas le moment. Pardon. Ok. Go. Où sont ces Doomfists? Ok. Ah, j'ai tué quelqu'un. En fait, c'est quasiment la honte de tuer quelqu'un sans utiliser les compétences, quoi. J'ai l'impression que personne sait vraiment ce qu'ils font. Bah voilà. C'est une défaite, mais on aura gagné 2 rounds. Mais je viens de réfléchir en jouant, parce que oui, je fais que ça. Oubliez ce que j'ai dit en début de vidéo, c'est du Overwatch, donc il n'y a pas vraiment de suite. Donc du coup, je vais vous diffuser cette vidéo avant les premières que j'ai tournées. Donc du coup, Overwatch, Doomfist vient juste de sortir, c'est tout nouveau, ok? Oubliez ce que j'ai dit en début de vidéo, que ça fait 3 semaines, 1 mois, c'est complètement faux. Je vais vous sortir cette vidéo avant les autres. Il n'y a eu qu'une seule personne à qui voter. Ok. C'est tout, ouais, ben oui, c'est tout. On n'avait pas le choix de voter pour toi. On va le refaire. Ah merde, j'étais trop vite. Attendez. Annuler. J'aime pas quand ça fait ça. Voilà. Donc, je vous sors la vidéo Doomfist en premier. Et les deux autres, ben, vous les aurez dans 2 et 3 semaines. Voilà. Voilà, voilà. Problème résolu, comme ça j'aurais pas l'air de la débile qui teste Doomfist 3 semaines en retard. Donc ça devrait passer. Bon, on continue. On essaie encore de faire quelques kills. Ce n'est que par mon skin préféré, c'est lui. Je le trouve trop drôle. Il est trop bien, Léopard. Mais en fait, c'est le seul skin que je trouve bien. Bien sûr, je parle au jeu. Ah, j'ai ce réflexe de recharger, mais c'est vrai que c'est un rechargement partant. Donc. Ah ouais. Salut! C'était nul! Alors, on se pose. Donc, il a des armes qui sont quand même assez fortes, qui sont un rechargement par temps. Ensuite, il a un genre de point qui doit charger et ça fait genre super mal, tu one-shot tout le monde. T'as un genre de percut que tu fais vers le haut que j'ai pas réussi à toucher personne avec. Et t'as un E qui lui permet genre de sauter et ça fait un rayon de trucs au sol. Qui font des dégâts, et t'as son ulti, c'est un cercle géant en fait, et ça tue, je pense, tout le monde qui se retrouve dans le cercle. Voilà. Voilà en résumé qui est Doomfist. Oui, je sais, je le fais une partie plus tard, mais c'est pas grave. Tu commences à regretter mes choix. Respecté. Non mais, putain, il a presque pas de vie, pourquoi il meurt pas? Ok, il est là, mais... Ouais, j'irai chercher ce qui est dans la mort. Il fallait pas que j'appuie sur E, mais bon, c'est pas grave, on va gagner ce round, il en reste qu'un. Allez, tue-moi ce Doomfist. GG. Et j'ai fait 3 kills. C'est cool. Bon, 3 kills c'est relatif, on s'entend que c'est pas moi qui les tue à chaque fois. Il a déjà le gant en or. Putain, il est craqué lui. Lui il va devenir... Lui il s'est dit, ok, j'aime ce personnage, je vais devenir un main Doomfist. Non, c'est un personnage qui est quand même super intéressant. Mais il doit être super chaud à jouer contre. Et le E aussi, je peux le charger? Alors là, j'ai un peu de mal à tout... Ah là là! J'ai paniqué. Là j'ai juste paniqué. Donc le E, la flèche, on peut le charger sans la faire tout de suite, en fait. Mais, ah d'accord, il y a un temps maximal où il a fait quand même. Ok, et le E... Ok, c'est la distance, en fait. Plus je le fais de loin, plus ils doivent prendre de dégâts. Il me semble que c'est ça. Ok. Arrêtez d'essayer de me tuer tout de suite, s'il vous plaît.
J'aimerais jouer un minimum. Arrêtez d'essayer de me tuer! Quelqu'un en doutait. Allez! Oui! Oui! On est passé à 7 kills, on est deuxième! Ce n'est que par le coup que l'homme évolue. C'est trop cool, j'aime être Doomfist. Ok! Mais ça doit être mieux par contre de le jouer en partie tout seul. Quand t'es le seul Doomfist de la partie, ça doit être tellement. Ça doit être le pied quoi. Ah! J'ai réussi à le E! Ce qui fait que je me suis pas pris son truc en pleine gueule. Mais il m'a tué par la suite. Mais c'est cool! Ouais, il va être intéressant. Je le trouve intéressant. Bon ben, on finit ça sur une petite victoire de Doomfist. C'est trop bien. Et on finit ben, quand même en argent. Donc c'est pas à négliger. On a un minimum assuré. Et... Ah ouais, ben lui, il a le gant en or et il est déjà... On va voir comment il s'en sort. Ça m'étonne. Alors, il tire, c'est trop bien. Il fuit, il charge son truc et... ça a pas marché. Ok... Ah d'accord, bon, ça va quoi, il a pas fait 100% mieux que nous, on va voter pour lui quand même. C'est pas comme si on avait le choix, hein. Bon, écoutez, nous, on va s'arrêter là pour cette vidéo de On joue Doomfist, c'était quand même assez cool. N'hésitez pas, comme à votre habitude, à mettre le bébé pouce bleu et le bébé commentaire. Et nous, bah, écoutez, on se dit à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Overwatch ou sur autre chose. En attendant, prenez soin de vous et je vous fais de bisous.